Mettre de l'impact comme le coach m'avait demandé. Au-delà de la manière, être présent dans les duels, dans l'agressivité, mettre beaucoup d'intensité, c'est ce qu'on a fait dans la première mi-temps. Ça a payé, on a eu notre entre guillemets notre récompense. Après, on s'est dit à la mi-temps de faire au moins aussi bien qu'en première. Mais voilà, après eux ils ont poussé, ils se sont ouverts. Nous on savait qu'il fallait jouer en contre-attaque, rester en place. On a quelques opportunités, eux ils en ont également, et voilà après. Raconte-nous de ton but. En fait c'est un peu planifié, on les travaille à l'entraînement. Le coach adjoint, enfin Jamel me met sur la première zone. Et Samuel Guibert, celui qui tire le corner, il me dit de passer devant. Donc en fait c'était fait exprès qu'il la mette aussi basse pour moi et je la dévie et elle rentre et tant mieux pour l'équipe. Au premier poteau hein, ça vous a mis dans les meilleures conditions, vous loupez peut-être le break derrière. Ouais on a l'occasion d'enfoncer le clou, ils étaient vraiment dans une mauvaise posture, on les sentait fébriles, il aurait fallu les pousser encore plus, leur mettre la tête sous l'eau, on n'a pas réussi à le faire et... Voilà, après il aurait fallu rester solide en deuxième mi-temps. Bon, est-ce que les carottes sont cuites là? Non, au niveau mathématiquement on peut toujours se sauver, mais de toute façon là on parlera. Il n'y aura plus vraiment de paroles. On prendra les matchs les uns après les autres comme on a fait pour celui-ci et on se battra jusqu'au bout. Prochain rendez-vous? On va au Paris FC. Ça va être chaud, hein. Ils ont gagné 5-0 je crois aujourd'hui. Hein. Oui bah après de toute façon voilà c'est mettre beaucoup d'impact, retrouver notre solidité défensive, notamment dans la première partie de saison. C'est ça qui nous manquait un peu, retrouver cette solidité, cette confiance derrière, s'appuyer sur des clean sheets et après devant ça se débloquera automatiquement.